Déjà, il est vraiment au centre de la chaussée. Ça, c'est pas bon. Il reste au centre, il reste au centre, le premier. À aucun moment, il allait chercher un positionnement extérieur. Il reste toujours au centre de la chaussée. Donc ça, c'est pas la trajectoire de la sécurité. Le risque d'accident mortel est 22 fois supérieur en moto qu'en voiture. En cause, une vitesse excessive et une mauvaise maîtrise de sa trajectoire. On vous a observé. C'était pas bon. Ah, pas bien. Vous avez commis aucune infraction, mais votre positionnement sur la chaussée, en fait, il n'est pas bon. La trajectoire de sécurité, les motards de la police et de la gendarmerie la connaissent bien et la pratiquent depuis des années. Un positionnement adapté sur la chaussée pour mieux appréhender les virages et éviter le choc frontal. À sortie de virage, vous aurez toujours la force centrifuge qui rentrera en jeu. Si votre regard est trop court, que vous regardez devant vous, vous serez mal positionné. Si votre regard est trop long et que vous arrivez trop vite et que vous coupez les virages, vous sortirez. Donc 90% de votre trajectoire, c'est votre regard. Ensuite, la bonne adaptation de la vitesse et ça passe sans problème. Dès 2020, ce style de conduite sera enseigné dans les écoles de moto et intégré à l'examen de conduite. Tous les jeunes qui passent le permis, ils commencent et ils sont souvent fous sur les routes. Et de leur donner de bonnes habitudes dès le départ, je pense que ça peut être qu'un bien pour eux et puis pour tous ceux qui sont en face, en fait. Et c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris il y a 15 ou 20 ans en arrière. Oui, je serais intéressé. On serait intéressé. Maintenant, il faudrait qu'ils fassent gratuitement, quoi. Pas de, ça soit pas payant. De nouveaux réflexes à adopter pour lutter contre les mauvais chiffres de la sécurité routière. L'an dernier, 45 pilotes ou passagers de deux roues ont perdu la vie sur les routes des Bouches-du-Rhône.